Yo, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Par contre, je vais chuchoter parce que mes enfants dorment et que, eh ben, je veux pas les réveiller parce que j'aimerais bien aussi aller me coucher après. Ça doit pas être loin d'être jour là. Ah non, c'est à pleine lune, mais ça va pas loin d'être jour. J'aimerais bien me reposer un petit peu après, en ce 1er janvier. Mais j'avais envie de vous parler d'un truc avant, si ça vous dérange pas. J'ai envie. Vu que ma chaîne secondaire est un petit peu en assistance respiratoire depuis au moins 6 mois, alors comme j'ai pas envie de la débrancher, je me dis je vais essayer de la réanimer. Et j'avais comme projet, faut tenter des trucs, hein. Je tente plein de trucs sur ma chaîne principale, ce serait con de pas le faire sur la chaîne secondaire. Et je voulais dire que sur cette chaîne secondaire, j'avais envie d'émettre assez souvent, par le biais de petites vidéos non travaillées comme celle-ci, des réflexions. Quotidienne quasiment. Bon, peut-être pas le week-end, mais assez régulièrement. Et ça pourrait être des réflexions sur la vie, sur des idées qui me passent par la tête, sur des idées d'autres personnes que j'ai envie de transmettre finalement, sur l'actualité, sur la politique aussi, un peu dans le genre politique, mais en mélangeant un petit peu tout, sur la décroissance, sur tout ce à quoi je pense assez régulièrement. Et j'ai toujours trouvé intéressant quand on croise quelqu'un. Avec qui on parle d'un sujet lambda et que ça nous amène à modifier un petit peu notre façon de penser, notre façon de voir les choses, je me dis toujours, mais c'est génial. Et malheureusement, c'est vrai que des gens comme ça, pas forcément parce qu'ils sont intéressants, mais des gens intéressants et des gens avec qui on a l'occasion de développer une réflexion, c'est pas assez souvent dans la vie de tous les jours. Alors je me suis dit, pourquoi pas, quand je trouve quelqu'un d'intéressant qui me parle de quelque chose, pourquoi pas vous le communiquer, ou quand moi j'ai quelque chose qui me semble être intéressant. Une façon de voir les choses ou autre, vous la faire suivre en fait, la partager. Voilà. Et ça peut aussi être un peu plus réactif sur l'actualité, sur pas mal de choses, et sur ce qui me tient à cœur, sur revenir sur des vidéos aussi. Il y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est quand j'ai lancé un sujet un peu dans une vidéo et que je croise quelqu'un, que je ne connais pas forcément, et qui me parle d'une ancienne vidéo et qui me dit, ah voilà, là, j'ai bien aimé comment tu avais abordé le truc, mais moi j'aurais dit ça et ça, et on va un peu plus loin. Et grâce à ça, ma réflexion avance sur le sujet. Je change assez souvent d'idée, n'empêche, mine de rien. Il paraît que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais même en politique, je change d'avis. Et je trouve ça intéressant de ce côté-là. Ça m'arrive aussi d'avoir envie de vous parler d'une série, d'un film ou même d'un livre qui m'a plu et qui, je pense, peut vous intéresser aussi. Mais voilà. Je peux pas trop en faire la promotion comme ça. Ça m'arrive aussi de donner un coup de main à des ONG, de trouver intéressant le travail d'une association, mais je peux pas trop en parler parce qu'en fait, comme je poste jamais rien sur les réseaux sociaux, je peux pas d'un coup mettre quelque chose. Enfin, j'ai même pas l'envie, en fait. Je suis pas du tout réseaux sociaux, moi. Je sais pas, vous l'avez peut-être remarqué, non, j'aime pas trop. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo, pourquoi je déserte les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que je commençais aussi à déserter aussi Internet de façon générale. Et c'est quand même con parce que j'aime travailler dessus, j'aime faire des vidéos, j'aime vous parler par le biais d'une caméra et j'aime avoir des retours après. Et pourquoi pas aussi, quand il y a des vidéos qui ont eu des sujets un peu sensibles, revenir dessus. J'aime aussi avoir des retours sur les commentaires, les lire, discuter de temps en temps, même si je préfère le mode IRL. Et je trouve ça intéressant. Alors je me suis dit. Les réseaux sociaux, je laisse tomber complètement, hein. Enfin, pas plus comme je fais actuellement, mais développer un petit peu le côté, juste le côté vidéo, le côté YouTube, voilà. Ça pourrait être bien même peut-être d'en faire de temps en temps avec certains d'entre vous quand je les croise et tout. Je pense que faire des vidéos régulièrement peut me permettre d'avoir la barre assez basse sur cette chaîne secondaire niveau qualité visuelle, en essayant de l'avoir quand même assez haute niveau qualité. Textuel, c'est pas le mot que je voulais dire, mais là il me vient pas, hein. C'est tôt là, c'est très tôt. Niveau qualité, plus être sur le fond que la forme. Voilà, mais tu l'avais compris, hein, toi t'es réveillé depuis un moment. Non, ah putain, je suis désolé, ça tangue un peu. Ceux qui ont un petit peu bu, hein, ça doit être sympa. Ouh, ça bouge. Ouais, je voulais commencer, je voulais le faire il y a longtemps ce truc-là. Et je voulais le commencer en décembre. Mais en fait, le mois de décembre, on est déjà inondé par les vidéos. Tout simplement parce que c'est le mois qui paye le plus sur YouTube. Donc, beaucoup de YouTubeurs se mettent à faire une vidéo par semaine plutôt qu'une par mois. Et d'autres, une vidéo par jour même.
Donc on a du contenu et tout. Alors je me suis dit, je vais commencer en janvier, le mois qui paye le moins. Donc il y a moins de vidéos normalement. Et donc ça peut être sympa que je le poste le matin, comme ça, si vous avez envie, pendant votre petite commission ou sur le trajet pour votre travail, de m'écouter 2 minutes, de réagir. Si possible, ce sera bien que vous réagissiez, si jamais ça vous apportait intérêt. Et j'essaierai de varier vraiment les réflexions. Je vais même y appeler réflexion du jour. T'sais. Réflexion du jour, bonjour. C'est un peu nul, mais pourquoi pas. Ça existe peut-être déjà tellement c'est nul. Souvent, quand c'est bien nul, ça existe déjà. Réflexion du jour, bonjour. Non, mais réflexion du jour, et voilà, essayer de varier les sujets. J'espère que ça vous plaira. J'espère que j'aurai la volonté de continuer. Je vous exposerai mes autres bonnes résolutions petit à petit. Et voilà, pas forcément parler plus de... Ouais, si, parler un peu plus de moi. Pas de ma vie privée, mais parler un peu plus de moi et de mon fond de pensée. Un petit peu, si vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt. À demain, sûrement. Allez, passez une bonne année. Non, mais on se voit demain. Passez une bonne première journée. Ça a aucune importance, mais des fois... Ouais, c'est le même jour qu'hier et que demain, mais des fois, on se met un peu de motivation pour repartir sur de bonnes bases. Donc ça fait jamais de mal. À très vite. Bon, oh là là. Attends, mais j'étais pas si loin tout à l'heure.